Bon, déjà, nous voici pour une nouvelle vidéo d'Okan Battle. J'espère que vous allez tous tranquillement bien. Moi, ça va impeccablement bien. J'ai dit que j'allais arrêter de le dire, mais bon, je continue à le dire apparemment. C'est des réflexes, je sais pas. Il serait temps aussi que je vide ma boîte à cadeaux. Enfin, bref, on va faire des invocations du TB. Je l'ai pas trop farmé. Il y a eu les invocations. Enfin, il y a eu le TB qui s'est terminé il y a quelques heures à l'instant où je tourne cette vidéo. Et voilà, j'ai un peu farmé. Du moins histoire d'être dans le classement local et dans le classement mondial. Bah, j'ai pas voilà, j'ai pas tellement forcé, mais voilà. Alors, il y a trois nouvelles cartes de sur le TB, sur les deux portails, enfin sur les deux portails, sur un seul portail. C'est le Tao Pai Pai, le King, je me rappelle plus comment il s'appelle, le père Ashishi. Et le Einstein, je sais plus comment il s'appelle, et putain, c'est, je crois que c'est un bot, enfin un bot, t'as compris, un robot, je me rappelle plus si c'est C8, je sais rien du tout, je me rappelle plus du tout. Alors, ce qu'on va faire, sachant que là j'en ai 5, ouais, je peux faire 5 invocations sur les SSR garanties, et là je peux faire du coup 39 et 48, voilà. Je sais pas par quoi commencer, je vais tous les faire sur la vidéo. On va commencer par lui, puis on enchaîne les SSR garanties. Donc voilà, si les SSR garanties vous intéressent plus que les autres, switchez, ou si vous voulez voir que je drop un peu les trois derniers persos, pourquoi pas, allez-y. Donc on va commencer par les tickets simples, c'est parti. Parce que je vais aussi en recevoir grâce au résultat du TB. Bon, après j'invoquerai offline, mais voilà. Là j'avais envie d'invoquer online, enfin j'avais envie d'invoquer en vidéo. Juste comme ça en fait, pourquoi je dis offline, online. Alors, est-ce que je vais dropper l'un des nouveaux persos Yamcha? Non, du tout. On mise les nouveaux persos là. On a pratiquement tous les persos sur le portail, mis à part quelques SSR, quelques petits SSR, genre les Piccolo, Daimao, etc. Ah, Vegeta, bon, est-ce qu'il y a des fusions sur ce portail? Non, il n'y a pas de fusion sur ce portail. Je sais pas si ça existe, des fusions sur ce portail, mais je crois qu'il y a un Vegeto qui donne le détecteur. Krillin, non. Dommage, dommage. Sachant que lui, je l'ai déjà P10. Peut-être qu'il aura un Dokkan un jour, on sait jamais. Si j'en ai 4, je les garde quand même, on ne sait jamais. Bon, la combinaison, elle est complètement foireuse. Et les cartes sont apparemment des R et des SR. Ouais, il n'y a pas d'SSR dans les nouveaux persos. Je vais regarder ça, j'ai regardé, mais très vite fait, très vite fait. Alors là c'est un SSR, d'accord, le Tao Pai Pai, lui aussi c'est un SSR. Et lui c'est un SR, d'accord. D'accord, alors eux deux ce sont des SSR. Ok. Bon, j'arrive pas à lire en japonais, mais voilà, je vois à peu près attaque et défense 100%, etc. Ça veut dire lui se donne de l'attaque et de la défense à 100% en attaque SP. Et après le reste je sais pas. Alors bon, on va essayer de les dropper, ça m'étonnerait, sachant qu'on sait que les SSR dans ce portail, surtout dans ce portail, c'est chaud qu'il tombe, c'est très chaud que ça tombe. On va tenter, on tente, qui sait. Il y a un bruit, je sais pas si c'est un voisin. Ah, un bye bye. Qui est-ce? Ah, un Goku, mais vous êtes sérieux? Je l'ai déjà. De toute façon, juste à faire ça, et voilà, je l'ai déjà, nuaire. Ah, dommage. Déjà que c'est rare d'avoir des SSR dans ce portail-là. Si vous donnez des doublons, en plus, ça le fait pas. Hein. Bon, un détecteur, please, Vegeta. Non. Je sais pas c'est quoi le truc pour que Vegeta se transforme obligatoirement, s'il faut une personne à côté de lui ou pas. Hein, Yamcha. Au moins, non mais pourquoi je fais ça? Au moins je monte l'aspect des persos que je n'ai pas. Enfin que oui, je monte l'aspect des persos que j'ai. S'ils sont pas montés, bien sûr. Ah, dommage, il n'y avait que Krillin et qu'il y a Trunks qui arrive. Dommage. Bah, allez, donne-moi
Un petit SSR. Ah! La nouvelle carte. Parfait. Parfait. Et d'une sur deux. Enfin, sur trois. Sur trois. Ok, ça m'en fait une en plus. Parfait. Allez, encore une invocation avec les tickets argent. Et neuf avec les tickets or. Ouais, ça sent la douille là. Ça sent la douille là, cette carte. Enfin, cette carte. Cette Chaozu. 7 Chaozu, je précise 7. Ah non, Ngoku. C'est pas juste, hein, le jeu, il est contre moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, re, désolé. J'ai fait une petite ellipse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va taper chez moi parce que mon frère il m'a appelé. Il m'a dit, ah, je vais passer là, vite fait. J'espère qu'il va pas passer alors que je suis en pleine vidéo. Il n'y a personne, mais vous êtes sérieux. Et je viens de capter en plus, c'est que j'ai entendu parler que quand Goku il se dirige vers la pierre, il peut aller soit. Il va soit en haut, ou il peut aller tout droit vers en bas. Enfin, vers en bas, vers le bas, plutôt. Ouais, on va parler français, hein, c'est un cours de français cette vidéo. Il peut aller vers le bas. Et il paraît que ça annonce quelque chose quand il se dirige vers le bas, je sais pas. On va voir. Bon, Vegeta. Vegeta. Ah non. Moi, les transformations. Bon, SSJ3. Please. Please. Non. Pas d'SSJ3. Si j'ai SSJ3, forcément. Voilà. Ah là là. Ça va être dur à les dropper, ceux-là. Ça va être dur. J'ai eu le Jackie Chun. Il y a un bon moment de ça maintenant. Ça rassure. Ça rassure. Bou. Tenchinan. De la merde. Ah là là. Mais en même temps, ils mettent des persos pourris avec Goku. C'est normal après, chérie. C'est normal. Ah là 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 là. Bon, allez, le jeu. Please. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Bon, allez, please. Please. Des fois, il y a des SSR qui tombent. Tu t'en rends pas compte. Il y a des persos de merde devant personne. Et des fois, il y a un SSR qui tombe. Alors là. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Parfait, parfait. Good. J'ai eu le Frankenstein. Je sais plus comment ils appellent. Je sais pas du tout. La carte elle est pas mal en plus. J'ai pas vu leur spé. Enfin, si. Je l'ai vu leur spé. Elle est moyenne. Si. Je me rappelais même plus en fait. Je l'ai vu il y a quelques jours. Je me rappelle. Krillin, Vegeta. Il me manque plus que. Ah, mais transforme-toi, mais t'es sérieux, toi? Et du coup, il me manque plus que le méta Tao Pai Pai. J'allais dire le métal ou autre. Il manque juste le Tao Pai Pai et c'est parfait. J'ai les trois nouveaux persos du portail. Rip. En plus, c'est bien parce que Tao Pai Pai, il a sa spé. C'est bien. Il a sa spé. Ils veulent pas tomber, ils veulent pas tomber. Encore 3, 3. Allez, donne, envoie. Oh là 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 là. Bon, après, on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait pas. S'il y a un SSR qui tombe, regardez tout à l'heure avec le Tenchinhan sorti de nulle part. Je te dis, ok, c'est de la merde, et d'un coup, bam, un SSR qui tombe. Bon. Ok, je suis preneur. Je prends. Vegeta tout seul. Ah là 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 là. En fait, qu'il y ait un Vegeta, t'as plus de chance quand un Goku se transforme ou pas plutôt que quand il se transforme. Ouais, au long. Je vais faire quoi moi avec lui? Je l'ai déjà spédi, je crois. Je crois, je suis pas sûr. Bon allez. Dernier ticket, qu'est-ce que ça va donner? Personnes transformation, ok. Allez, SSJ1, SSJ2. Ah là là, pas de SSJ3. Bon, ça pue la merde. Ça pue la merde. Ouais, ça pue la merde. Comme j'utilisais. Bon, enfin, bref, on va passer au portail. Putain, c'est dommage, je l'ai pas eu le temps. Forcément, j'ai eu le seul perso qui a une spé pharma, forcément, et je l'ai pas eu.
Alors, qu'est-ce que je prends? On va voir d'abord les détecteurs de ces deux portails. Je les ai toujours pas vus, hein. J'ai fait le TB, mais j'ai toujours pas regardé les détecteurs. Ok. Après, bon, c'est des SSR très moyens comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Ok. Lui, c'est un très bon soutien, lui. Lui, j'aime bien son soutien. Tu vois, qui plus 2 et attaque. Attaque et défense plus 25% pour tous ses alliés. Je crois que c'est pas dans un tour, je crois, je sais plus. Mais il est vraiment. C'est vraiment un bon soutien, lui. Un Piccolo. Une C18. Et un Tapion que j'ai déjà 100%. Putain, mais le fait de voir Tapion là, ça me donne pas envie d'invoquer, sachant que je l'ai déjà à 100%. Et en plus, ces 4 là me donnent pas tellement envie. Alors que. Non, c'est pas là. C'est ici. Je sais plus qui j'ai ou que j'ai pas. Je crois que je l'ai lu. Mais je l'ai pas lu. Ah ben je l'ai pas lu. D'accord. Le couleur lui, oui je l'ai. Faites juste à faire ça. Tac. Ouais, on voit, d'accord. Lui je l'ai. La chichi je l'ai. Lui je l'ai. Lui je crois pas avoir lui. Non je l'ai pas. Ok. Le Guan lui je l'ai pas. Par contre je le veux lui ce Guan ultime. Lui j'aimerais bien l'avoir par contre. Non, je l'ai pas comme on voit. Et lui, j'aimerais bien l'avoir. Par contre, il fait quoi, le Fadokan? D'accord. Alors, il se donne de l'attaque et de la défense à 70%. Et si les HP sont à 50% en dessous, je crois, ou plus, il se donne du ki plus 3 et attaque et défense plus 30%. Donc c'est vraiment pas mal. Après je sais pas si c'est exactement ça. Je suis pas allé sur le site pour vérifier. Mais voilà. En tout cas ce portail m'intéresse plus que l'autre. Car voilà quoi. Déjà des persos que j'ai fait. Bref, on va invoquer sur celui là. On va voir 5 SSR. 5 nouveaux SSR. Ça serait pas mal. 5 nouveaux SSR. Un Vegeta. Ok. Ne te transforme pas, s'il te plaît, parce qu'on oublie que s'il se transforme, c'est un LR. Et des LR des TB, je les ai déjà. Non! Transforme pas, en plus c'est Vegeta Blue! Mais non! Bon, ben c'est soit un Piccolo, soit un Tenchinan, bordel! Oh, mais non! Mais non! Mais vous êtes sérieux ou pas? Comme quoi la chance tombe pas tellement parfois. Hein. Bon, au moins je sais que pour le nouveau portail j'aurai de la chance. Pour le prochain nouveau portail qu'il y aura, j'aurai de la chance. Je pense. Hein. Allez, bon. Ah là là, Vegeta, tu te transformes pas et quand tu transformes, forcément, c'est LR sur les portails comme ça, mais vous êtes sérieux. Bah, c'est ça la merde. C'est ça la merde. Un bye bye forcément, hein. On se pose pas la question. Celle, je l'ai pas. Parfait. Parfait, je l'ai pas. Moi je suis content que je forme un perso que j'ai pas. Est-ce que ça se paie les farbables à lui? Je regarderai après. Allez, un autre perso que j'ai pas, please. 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 Je l'ai pas. Allez. Ah, un détecteur, ok. Un détecteur. Peut-être que vous me repassez un sel, je sais pas. Guan, moi je dis Guan. Allez, on envoie le Guan. Envoie, hein. Envoie le Guan, please. Please. Encore. Qu'est-ce que je disais, je suis trop fort. Le sel, deux fois. Deux fois le sel. Je prends. Quand il aura son Dokkan, ça sera... On verra. En plus, aspect, c'est Dragon Ball Fighters. Donc, le jeu. 4 sur 20. 4 sur 20. On va bon perso. Bah, forcément, bye bye. Couleur. En fait, quand c'est un bye bye, le premier bye bye qu'il y a eu, avec le sel, enfin le Goku sel, c'est. Un SSR garanti sûr du portail. Mais quand c'est apparemment un bye bye Goku Freezer, là c'est apparemment un détecteur. Je sais pas, je dis peut-être une connerie, je sais pas, mais voilà. La preuve, je viens de l'avoir et j'ai eu un détecteur.
sent la merde. Ça sent la merde là. La combinaison est un peu chier. God. Non. Goku sur le caméra. Ah, je l'ai déjà lui. Ah bon, c'est pas grave. C'est mieux que rien, je prends. Toutes les cartes sont prenables, forcément. Ouais, parce que toutes les cartes sont farmables. En fait, les cartes sont farmables. C'est des cartes free to play, ça faut se dire. C'est pas des cartes. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien du tout. Non, voilà. C'est mieux que rien, tu me diras. On voit les. J'ai les deux sels avec lui qui est tombé. Je suis preneur, ça va. Au moins j'ai eu un nouveau perso. Enfin, trois nouveaux persos. Avec un LR, forcément, que j'ai déjà 100%, etc. Enfin, bref. Mais bon, moi j'ai eu des persos que j'ai pas, ça va, ça me rassure. Faut se dire que chaque carte, en exemple, celle-là, même si tu l'as à 100%, garde-la. Le nom, ce qui compte, c'est là. Là où je suis en train d'appuyer, là, je suis en train d'appuyer, là. C'est les noms qui comptent, tu peux monter l'aspect de tous les Goku, ou tu peux monter l'aspect des petits Goku, s'il y en a un qui est docanable, j'ai envie de dire, tu peux quand même lui monter l'aspect, etc. Là, c'est important, enfin bref, les évocations sont terminées, moi les gens sont sous les champs, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.